ces cantiques. Ces cantiques nous prêchent, Seigneur. Et nous sommes conscients que rien d'impur n'entrera dans ce royaume de Jésus. Mais quand nous nous regardons, Seigneur, il y a plein de choses impures qui s'attachent encore à nous. Oh Dieu, ce cantique nous fait peur. Ce cantique nous met dans une situation de crainte. Nous chantons de notre cœur et par nos lèvres que rien d'impur n'y entrera. Mais honnêtement, Seigneur, quand nous nous regardons, nous voyons que cet amour parfait, cet amour divin, ne s'est pas encore pleinement installé en nous. Et nous nous approchons de toi, Seigneur, pour te demander de nous faire grâce, afin que Seigneur éternel, notre vie soit pleinement cet amour. Pas un amour charnel, pas un amour humain, mais un amour que seul le Saint-Esprit peut produire. Amen. Dans le cœur du croyant, pour nous amener à aimer comme Jésus, à pardonner comme Jésus, à supporter comme Jésus, à témoigner toujours du bien comme Jésus l'a fait pour Jean-Baptiste, alors que Jean-Baptiste commençait à douter de lui. Oh Dieu, voilà pourquoi nous sommes là ce matin dans ta maison. Nous sommes là pour recevoir des instructions. Comment nous devions marcher pour entrer dans ce royaume de Dieu. Nous sommes là pour te demander, Père, de nous débarrasser, dans le nom du Seigneur Jésus, de toute onction, de tout esprit, de tout comportement, de tout agissement qui n'est pas digne de ce message du temps du soir que nous sommes en train de proclamer. Oh, nous ne voulons pas avoir des ennuis ce jour-là. Nous ne voulons pas avoir d'obstacles ce jour-là. Quand nous arriverons à la porte, nous voulons que notre nom soit retrouvé dans la liste. Nous ne voulons pas une deuxième session, Seigneur. Nous voulons passer à la première session dans le royaume des dieux. C'est pour cela, Père, parle-nous ce matin. Corrige-nous ce matin. Pas seulement nous parler, nous corriger, mais envoie ton esprit ce matin pour nous débarrasser de ce qui n'est pas de toi. Amen. Car Seigneur, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je déteste, voilà ce que je fais. Si je fais le mal que je ne fais pas, c'est que c'est le péché qui habite en moi qui le fait. Oh, qui nous délivrera? Viens, Fils de l'homme, et délivre-nous, Seigneur. Amen. Délivre nos sœurs, délivre nos frères, délivre nos enfants, délivre les pasteurs, délivre tous les officiants, délivre chaque membre de l'Église, au nom du Seigneur Jésus, afin que, Seigneur, nous puissions valablement vivre la vie d'un chrétien, être salés pour ce monde. C'est notre prière. Nous savons qu'on n'a plus beaucoup de temps devant nous, Père. Oh Dieu, l'enlèvement est là à la porte. Et si l'enlèvement tardait, la mort arrivera peut-être le premier. Mais Seigneur, en ce jour-là, où les rideaux seront tirés, donne-nous la foi, la conviction, par l'Esprit de Christ, et dire comme l'apôtre Paul, ô mort, où est ton aiguillon? Ô tombeau, où est ta victoire? Car je connais Christ dans sa puissance de la résurrection. Ô Dieu, sonde-nous, Seigneur. Nous-mêmes, nous savons que nous avons des fausses choses. Mais viens, Fils de l'homme. Délivre-nous, Fils de Dieu. Débarrasse-nous de cela. N'est-ce pas toi qui as dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Oui, libère-nous, Seigneur. Délivre-nous.
Délivre-nous, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Nos cœurs t'aiment. Tu sais que nous t'aimons, Seigneur. Oh, rien qu'à voir comment nous te chantons, comment nous te louons. C'est la preuve que nous t'aimons. Fais-nous la grâce que notre vie puisse te suivre. Pas à cause de nos efforts. Pas à cause de nos mérites. Mais à cause de ta grâce. À cause du sang versé à la croix. À cause de ton amour. Seigneur, rends-nous dignes de l'évangile. Si parmi nous ce matin, il y a des gens qui sont malades. Oh Dieu, qui ne regarde qu'à toi, apporte-leur la guérison. Nous pensons au petit Boaz, Seigneur. Le fils de notre sœur dit bien, oh Dieu. Ce petit garçon, Seigneur, il a été tourmenté par la fièvre, Père. Toute cette semaine, Seigneur, mon Dieu, un petit bébé, oh Dieu. Nous te demandons, Père, dans le nom précieux de Jésus-Christ, le Dieu d'amour, le Dieu qui est compatissant, le Dieu qui aime les petits enfants, le Dieu qui ne peut pas supporter de voir un petit enfant dans la douleur, dans la fièvre, des jours et des jours. Oh Dieu, pose ta main sur ce garçon et guéris-les immédiatement. Au nom du Seigneur Jésus, à cause de ton amour, Père, Dieu d'amour, souviens-toi de lui. Guéris-le, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, guéris-le maintenant, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Nous nous abandonnons entre deux mains. Aujourd'hui, Père, je vois qu'il y a beaucoup d'absents, Seigneur. Peut-être qu'ils sont au travail ou dans le stage, des choses semblables. Nous te demandons, Père, de les aider là où ils sont, de les soutenir, Seigneur Jésus, et que leurs pensées soient tournées vers ce lieu où leur bien-aimé communie autour de la parole. Amen. Et nous te recommandons aussi notre frère, par qui tu vas nous apporter la parole ce matin. Oh Dieu de William Branham, puisses-tu oindre cet homme, Seigneur, afin qu'il soit une bénédiction pour le peuple de Dieu. Enlève tout esprit qui n'est pas de toi, tout esprit humain, tout esprit de la confusion. Bloque les œuvres du diable afin qu'il n'intervienne pas dans ce qui sera fait aujourd'hui. Nous nous abandonnons entre tes mains, Papa. Fortifie-nous, oh Dieu, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que nous prions. Nous invoquons le sang de Jésus sur chacun de nous. Le sang qui nous purifie de tout péché. Le sang qui nous débarrasse de toutes les maladies. Le sang du Fils de Dieu. Oh, merci Seigneur. Rencontre-nous sur la base de ce sang versé à la croix. Nous venons humblement près du trône de ta grâce. Nous nous abandonnons entre tes mains. Nous te prions en communion à l'unité de la foi. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Souhaitons à lui aussi, notre frère, un bon anniversaire. Amen. Que le Dieu de miséricorde puisse les soutenir et se souvenir de leurs prières. Amen. Donc, j'ai quelques petites annonces, c'est en rapport avec le poubelle. Parce que vous avez vu, tout le monde a constaté comment les poubelles étaient entassées là, dans l'entrée de la maison de Dieu. Ce n'est pas propre. Ce n'est pas seulement propre, mais ce n'est pas normal. On doit entasser des poubelles juste là où les gens entrent. Et les souris commencent à venir là. Ce n'est pas normal. Et ce qui fait ça, c'est parce que nous ne respectons pas les simples règles de triage. Normalement, on a une poubelle jaune et une poubelle bleue. C'est dans la jaune qu'on met les bouteilles. Dans le bleu, s'il vous plaît, dans la poubelle bleue, mettez que des bouteilles
Je conseille les cartons, les berlingots, les jus des enfants, des trucs comme ça, pas d'autres déchets. Parce qu'une fois on a enlevé les poubelles là-bas, ça m'a pris vraiment une bonne partie de la journée pour sortir les poubelles, enlever les pampers, enlever les ceci, mettre c'est beaucoup de travail. Et les choses qui sont déjà pourries, vous prenez à la main et on était là avec quoi faire Rémi, dehors là, en train de faire ça. Et hier, le frère Emmanuel a refait la même chose. Donc, si c'est trié, on prend, on va jeter quand même. Donc, la poubelle bleue, c'est pour les bouteilles et les trucs en plastique et en carton. La poubelle jaune, c'est pour d'autres déchets ménagers. Comme ça, quand on a ça, les frères peuvent prendre ça le mercredi et le vendredi, on le sort tout simplement. Vous comprenez? Amen. Mais si on ne respecte pas ça, on met n'importe comment, ça donne beaucoup de travail et ce n'est pas bien. Et aussi, j'ai vu que les jeunes, quand vous faites la répétition, bon, vous mangez là, des pizzas, de cela. Normalement, ce n'est pas un endroit qui doit être habitué dans lequel on vient manger. Même si c'est de la pièce là-bas, on vient faire la répétition, c'est peut-être pendant 3 heures, 4 heures, vous ne pouvez pas rester un peu comme ça sans manger. Mais si vous restez toute la journée et vous devez absolument manger un bout pour avoir de la force, vous, comme vous le faites là, dans la cuisine là-bas, mais après, rassemblez un peu vos petits cartons là et tout ça, quand vous sortez, vous jetez dans la poubelle, même public. Il ne faut pas laisser, on prend des cartons, et puis on jette là, on jette là, finalement, ça ne va pas. Ça, vraiment, nous devions essayer, hein, ça encouragerait tout le monde, les gens qui font le ménage, tout le monde sera motivé que non, chacun essaie de faire quelque chose pour garder la maison de Dieu propre. Une maison de Dieu, imaginez que Jésus est entré là. Comme il est entré au temple, si au temple il a chassé les gens qui vendaient les pigeons, c'était pour son sacrifice, mais il les a chassés. Mais qu'est-ce qu'il dira de vous? À l'entrée là, il voit des poubelles. Il dira que vous êtes des poubelles. Il va sortir. Nous faisons ça dans nos maisons. Pourquoi ne le ferons-nous pas dans la maison du Seigneur? Ok? Donc nous voulons vraiment veiller sur cela. Si je vois que ça commence à déborder, on va faire quoi? Si on supprime les poubelles ici, vous allez, ça c'est pas normal. Vous allez commencer à rentrer dans les poubelles, des papiers, des bonbons, non. Parce que finalement, si on ne respecte pas ça, est-ce que les enfants, vous me comprenez? Ah. Si on respecte pas ça, on va supprimer les poubelles. Voilà, j'espère que par grâce de Dieu, Dieu va nous aider. C'est Amen. Simple. Ce n'est même pas question d'avoir le Saint-Esprit, ça. Ça, c'est question de naître normal. Ce n'est même pas question de la repentance. Ça, c'est question de la vie normale. Ça n'a pas besoin d'être chrétien il y a 12 ans. Non, c'est seulement, c'est normal. C'est savoir vivre. Amen. Amen, amen. Amen. On va... Je vais lire juste une citation ici que j'ai aimée du prophète. Je vais lire ça dans la demeure future. Cela montre simplement comment nous devions être... comme je viens de dire ici, avoir un bon comportement. Et ça fait très bon plaisir quand il a appris ça de son église. Et je pensais quand même partager ça avec vous. Je vais commencer à partir du paragraphe 11. Frère Madame dit, et je voudrais vous rapporter qu'hier, comme je suis allé à plusieurs endroits, je suis allé voir certains de ceux qui sont malades et affligés dans les motels, dans les hôtels, et j'ai eu l'occasion de rencontrer certains des gérants cette semaine, et de certains restaurants, par exemple. J'étais à Ranch House, près d'ici, cette semaine, et le gérant me serrait la main comme on sortait. Et il l'a dit, il m'a appelé Frère Branham. Je me suis demandé comment il me connaissait. Il a dit, êtes-vous le gérant? Il dit, je suis le propriétaire. Et puis il a dit, oui, les gens de chez vous viennent manger ici.
Alors il a dit, oh, et j'ai dit, ah, eh bien, je pense qu'il vous submerge. Il a dit, monsieur, c'est un des meilleurs groupes de gens que j'ai jamais vu. Amen. Un des meilleurs groupes de gens que j'ai jamais vu. Il a dit, ils sont vraiment gentils. Je suis allé à un motel hier, voir un jeune dame, une jeune dame, à qui je voulais parler. Son père et sa mère étaient présents. J'ai dû aller voir les gérants pour savoir dans quelle chambre ils étaient. Il a dit, alors vous êtes frère Branham? Ça c'est là-bas à Oaks. J'ai dit, oui monsieur. Il a dit, je vais vous serrer la main. Il a dit, il m'a présenté sa femme, un couple très gentil. Ils ont dit, tous les gens qui sont au motel ici, ils assistent à vos réunions. Et nous avons réservé les chambres rien que pour eux. Il a dit, tous les autres clients, nous les avons refusés. J'ai dit, eh bien, je vous en remercie. Il a dit, frère Branham, oh, c'était un des groupes de gens les plus gentils que j'ai jamais vu. Ce sont des gens qui viennent ici, qui assistent à vos réunions. Et hier soir, je suis allé chez un de mes amis, M. Becker. Et j'ai toujours aimé ce sandwich. Il est tellement... Je le connais quand j'étais garçon. Je le connais depuis toujours. Il avait un couple assis là qui venait de l'ancien établissement là-bas à l'hôtel Riverside. Là-bas, alors Becker m'a dit, Billy, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a au mec? Et on se connaît très bien. Il a dit, oh, j'ai fait à manger pour tous les gens de chez toi là-bas. Il y en avait 200 à peu près. Et chaque dimanche, qui mange au Blue Bowl. Et partout où je vais, j'entends dire combien vous êtes gentil. Amen. Ce gars-là, il disait, là-bas au Riverside, au Riverview, il disait, c'est complet, il n'y a que les gens qui viennent à la réunion. Il a dit, il y aura des centaines qui n'auront pas de place. Donc, en étant comme ça, pour moi, vous êtes le sel de la terre. Amen. 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 Quand les gens de l'extérieur rendent témoignage de vous, de votre gentillesse, de votre comportement, amen, frère Branham dit, vous êtes le sel de la terre. Il dit, je suis tellement reconnaissant de savoir que j'ai le privilège de prêcher à des gens, que même des pécheurs. Je ne dis pas que ces personnes sont des pécheurs, mais je veux dire des personnes qui sont dans les affaires, dans les business, et tout, qui peuvent dire que vous êtes gentils. Et ils sont contents de vous avoir dans leur établissement chez eux. Vous savez, c'est ça être salé. Amen. Ça me fait plaisir. Amen. Votre comportement, votre façon de vous occuper des choses. Pour moi, vous êtes mes enfants. Vous êtes les étoiles. Si jamais j'ai une, quand j'arriverai là-bas, vous serez ce joyau. La partie la plus éclatante de la couronne de mon ministère. Amen. La couronne du ministère de quelqu'un, ce ne sont pas les voitures. Ce ne sont pas les grandes maisons qu'il a eues. Ce n'est pas les offrandes ni les dîmes. Ce n'est pas qu'il devient populaire. La couronne dans le ministère de quelqu'un, c'est ce que ce ministère-là approuve. Amen. Amen. Frère Branham me dit, Dieu m'a envoyé. Amen. Pour construire des individus. Pour faire d'eux des habitations du Dieu vivant. Amen. Pour faire des individus des centres de distribution de la puissance de Dieu. Pour les amener au baptême du Saint-Esprit. Pour l'amener à la nouvelle naissance. C'est ça la bonne interview au Gospel Cross. Je parlais du thème la seule chose nécessaire. La seule chose nécessaire. Ce n'est pas avoir
pas des grandes maisons, des grandes églises, des grands bâtiments, des maisons, des voitures, ou même beaucoup de gens à l'église. Mais c'est d'amener le peu que Dieu t'a donné. Au point où les gens à l'extérieur, au point où le païen, au point où les collègues de l'école, les collègues du travail peuvent regarder et dire ça, c'est un chrétien. Amen. Ça, c'est un gars gentil. Si tu as le problème avec lui, c'est que c'est toi qui as un problème. C'est ça le but pour lequel la parole est prêchée. Amen. Et frère, madame, il est très content. Il dit, c'est un privilège de prêcher à des gens comme vous. Amen. Mais si nous désobéissons, nous ne respectons rien. Nous faisons qu'à notre tête. On a un mauvais comportement chez les païens. Les païens, on ne les encourage même pas à venir à l'église. Dit quelle église? Si tu savais. Alors, ça va faire quoi? Nous passons le temps pour rien. Que le Dieu du ciel puisse avoir pitié de nous. Et nous aider à arriver comme ce groupe des gens salés, des jeunes gens salés, des jeunes filles salées, des mamans et des papas salés. Amen. Donc aujourd'hui, nous recevons notre frère acheté. Ce n'est pas quelqu'un qu'on va présenter. Je crois que ce n'est pas la première fois qu'il vient ici. Et nous allons prendre un cœur pour l'appeler. Il est venu avec son épouse, la sœur Rebecca. Et nous les saluons, nous les recevons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il sera avec nous aujourd'hui et aussi le mercredi. Je crois que quand on a enregistré, les absents pourront suivre cela. Thank you.
Amen. Est-ce que vous vous sentez bien ce matin? Amen, amen. Que Dieu soit loué. Pendant que nous sommes debout, nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 28. Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Vous y êtes? Amen. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Tendre Père Céleste, nous voici devant ta face à cette heure pour partager ce pain. Bénis le pasteur Daniel qui nous a cédé sa chair. Bénis sa maison, bénis ses collaborateurs. Bénis chaque frère et chaque soeur. Nous sommes venus, Seigneur, parce que pour devenir meilleur. Nous voulons, Père, que tu nous aides, que ce ne soit toujours pas eu l'habitude de venir et de rentrer. Chaque fois que nous venons, nous écoutons la parole, qu'elle produise les effets pour lesquels elle a été envoyée. Que les pécheurs soient sauvés, que les malades soient guéris. Amen. Et ceux qui ont des problèmes trouvent des solutions. Merci Père. Nous croyons qu'aujourd'hui encore tu nous béniras. Parce que nous sommes venus au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Pendant que je lis encore dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 29 à 42, je lirai par-ci, par-là. Verset 29. Oh mon frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. 32. C'est ce Jésus que vous avez ressuscité, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. 36. Que la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ces choses, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, talons frères. Pierre, prenant la parole, leur dit, repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis content de me retrouver encore au milieu de vous. C'est toujours une joie pour moi quand je viens ici. Amen. J'aime votre pasteur. C'est un homme qui aime la parole. Amen. Qui a pris position pour la parole. Et c'est cela qui nous unit. Amen. Amen. Sans la parole, on ne se serait même pas connu. Mais c'est grâce à ce message que nous pouvons nous retrouver comme ça et dire que nous sommes une famille. Amen. 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 C'est pourquoi en venant à l'église, vous devez bien vous sentir. Amen. La dernière fois que j'étais ici, c'était au mois de juin, je crois. Et je crois que le Seigneur nous avait bénis. Amen. Nous étions dans un jubilé. Amen. Et
Ce matin, j'ai un petit sujet, peut-être qu'il n'est pas très agréable, mais c'est la parole. Amen. Je voudrais parler sur un sujet que j'intitule « Vous devez observer les prescriptions ». Amen. Amen. Au commencement de la création, la Bible dit que Dieu a créé les cieux et la terre. Amen. C'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et après cela, Dieu a créé l'homme. Les cieux, la terre et tout ce que nous voyons. En fin de compte, Dieu décida de créer l'homme. Et quand il a créé l'homme, il a demandé à l'homme de régner sur la terre. De dominer sur la terre. L'homme était un petit dieu sur cette terre. Il était à l'image des dieux. C'est-à-dire, quand on voit l'homme, on voit Dieu. Cela a été manifesté par Christ, qui a été l'image du Dieu invisible. Amen. Si vous voulez connaître comment est Dieu, il fallait regarder à Jésus-Christ. Amen. Donc, quand Dieu a créé l'homme à son image, il a aussi créé à sa ressemblance. À son image, on voyait un homme physique là, qui était à l'image des dieux. Mais cet homme devrait aussi être à la ressemblance des dieux. C'est-à-dire, il devrait avoir les potentialités, la puissance que Dieu avait. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Amen. Alors, Dieu voulait se rendre compte si réellement l'homme était exactement ce qu'il lui pensait. Alors, un jour, Dieu est venu. Il a dit à l'homme que c'est lui qui devrait prêcher ce soir-là. Parce que chaque soir, Dieu descendait au jardin d'Éden. Il venait communier avec Adam et Ève. C'était des réunions merveilleuses. Mais ce jour-là, Dieu dit, « Adam, c'est toi qui vas porter la prédication de ce jour. » Et Dieu était assis là. Et l'homme devait prêcher la parole. Et je m'imagine que la prédication de ce jour-là, Adam l'avait intitulée « La nomenclature ». Amen. Alors Dieu étant assis, Adam vient et dit « Je veux prêcher aujourd'hui sur la nomenclature ». Il dit « L'animal que vous voyez ici, je l'appelle lion ». Et là où Dieu était, il s'est mis debout, il a dit « Alléluia ». Amen. Amen. Dieu était content. Dieu était en train de pousser des cris de joie. En train de dire amen à la prédication d'un homme. Parce que quand il a dit c'est un lion, c'est exactement cette pensée-là qui était en Dieu. Dieu voulait que cet animal soit appelé lion. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Amen. Il dit, et ce que vous voyez ici, je l'appelle agneau. Ne pouvant jurer par quelqu'un qui était au-dessus de lui parce qu'il était au-dessus, personne n'était au-dessus de lui, alors Dieu pouvait crier gloire à moi-même. Amen, amen. Alléluia. Amen. Parce que dans sa pensée, cet animal-là, on devrait l'appeler agneau. Amen. Donc, Adam a nommé chaque chose. Et cela coïncidait à la pensée de Dieu. Dieu a compris que l'homme était réellement à son image et à sa ressemblance. Il y avait l'harmonie. Il y avait la paix. Il n'y avait pas de trouble dans l'église. Et chaque soir, Dieu était dans la joie de venir communier avec ses enfants. Il était sûr que Adam était plus de 6600 volts. Amen. Mais remarquez une chose. Pendant que Adam était seul dans le jardin, en lui il y avait l'esprit masculin et l'esprit féminin. Mais Dieu a décidé de l'endormir pour sortir l'esprit féminin de lui. Et quand il a sorti l'esprit féminin, Adam, quand il s'est réveillé, Adam a dit, voici cette fois-ci. Parce qu'il avait trouvé l'os de ses os.
chair de sa chair. Et on l'a appelé Isha. Amen. C'était l'épouse d'Adam. Ève n'était pas à la création originelle. Elle était un sous-produit, je crois l'avoir déjà dit ici. Donc c'est par là que le péché est entré. Parce que Ève n'était pas comme Adam. Ève était un sous-produit dérivé de Adam. Mais dans la pensée des dieux, Dieu avait prévu la procréation par la parole. C'était ça la volonté parfaite de Dieu. Je ne sais pas si vous me suivez. Amen. La volonté parfaite de Dieu. On devrait se multiplier par la parole. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Tout ce qui existe a été créé par la parole. Amen. C'est par la parole que toutes choses devraient exister. Et Dieu nous l'a prouvé en ces temps de la fin, par Malachie 4, qui pouvait prononcer la parole. Je vais un écureuil ici et un écureuil apparaissait là. C'était ça qui était dans la volonté parfaite de Dieu. Mais à cause du péché, la procréation a été réalisée par la voie sexuelle. Ça, c'était une volonté permissive que Dieu a laissée sur la terre. Mais ce n'était pas sa pensée de départ. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Amen. Mais parce que Dieu a laissé cette procréation par la volonté permissive, toute personne qui est sur la terre par l'union d'un homme et d'une femme, est un pécheur pour commencer. Parce que cet enfant qui naît est conçu dans le péché et il est enfanté dans l'iniquité. Et par conséquent, de par notre naissance naturelle, nous sommes des pécheurs. Pourquoi? Parce que l'homme avait écouté sa femme. Et quand Dieu est venu, comme toujours, l'homme aime toujours jeter la faute à quelqu'un d'autre. Il a dit, non, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Et Dieu avait décidé d'ailleurs depuis ce temps-là de ne plus donner la femme à son fils. Le fils doit choisir lui-même. Et le frère Branham nous a prêché sur le choix d'une épouse. Quand vous choisissez une épouse, l'épouse représente l'Église. Nous devons choisir l'Église où nous devons aller adorer. Et quand vous choisissez l'Église, le frère Branham dit, c'est le pasteur que vous avez choisi. Amen. Et en choisissant le pasteur, c'est la parole qu'il vous prêche que vous avez choisi. Amen. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Amen. Donc vous devez être sûr que le pasteur vous donne la parole. Amen. Amen. Et nous, quand nous avons choisi de prier à l'Église Tabernacle, c'est le pasteur que nous avons choisi. Amen. Et le pasteur doit nous donner le message. Alléluia. Prêché par le prophète Branham. Amen. Parce que c'est cette parole-là que nous avons choisie. C'est pas comme j'entends aujourd'hui les gens dire, le pasteur est libre, il peut même prêcher la doctrine des témoins de Jéhovah s'il le veut. C'est une citation de frère Branham, je dis Amen. Mais il faut lire la citation jusqu'à la fin. Amen. Ne vous arrêtez pas au milieu de la citation. Le pasteur est libre d'enseigner même la doctrine des témoins de Jéhovah. Le prophète dit, il n'a rien à voir avec ça, c'est un problème du pasteur et de l'Église. Voilà ce qu'on oublie de souligner. Ce n'est pas que le pasteur vient, bon, aujourd'hui je prêche la doctrine des témoins de Jéhovah, si vous ne voulez pas, vous pouvez vous en aller. Allez, maintenant on ne va plus transfuser les gens, les 144 000. Non, 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 ça ce n'est pas le message. Le message dit, s'il veut prêcher la doctrine des témoins de Jéhovah, c'est entre lui et vous l'Église. Amen. C'est que vous l'Église, vous devez accepter qu'on puisse vous prêcher la doctrine des témoins de Jéhovah. Si vous acceptez, alors le pasteur vous prêche ça. Amen. Et nous les aigles, quand vous votez pour qu'on vous prêche la doctrine des témoins de Jéhovah, nous étant les aigles, nous aimons le message de Branham.
nous allons seulement battre nos ailes. Et puis, nous en allons. Amen. Nous allons chercher la nourriture. Là où on va nous prêcher le message de frère Branham. Nous vous laissons dans votre dénomination. Amen. Avec le message des témoins de Jéhovah. Parce que ça, ce n'est pas le message des ailes. Amen. Amen. Donc, vous choisissez. C'est votre chemin que vous avez choisi. Nous, les aigles, nous allons vous laisser. C'est pourquoi le prophète a dit, nous devons être derrière le pasteur à 100%. Tant que le pasteur est dans la main. Alléluia. Souvent, ce n'est pas ce que nous prêchons. Nous cherchons à faire des prosélytes. Non. Je venais de commencer une autre église à Pretoria il y a presque une année, moins d'une année. Je leur ai dit, cette église que je commence, je ne veux pas vous fidéliser à ma personne. Non. Tout à fait, tout à fait. Je ne veux même pas vous fidéliser à cette église que j'ai commencé. Non. Je veux vous fidéliser au message de Frère Branham. Aimez le message. Le jour où je m'écarterai du message, venez me voir. Avec les citations de Frère Branham, venez m'aider. Parce qu'aujourd'hui, le livre du maître est entre les mains des élèves. Il n'y a personne qui connaît. Nous tous, nous copions Branham. Amen. Nous devons fidéliser les gens au message, que les gens aiment le message, que les gens vivent le message. Souvent, surtout les pasteurs, ils n'aiment pas prêcher comme ça. Parce qu'ils aiment eux-mêmes s'introduire dans le cœur des gens. Le pasteur, c'est bien. Amen, amen. Nous ne devons pas nous installer dans le cœur des enfants de Dieu. C'est le prophète qui le dit. Il dit, Dieu nous a envoyés pour installer Christ dans le cœur des gens. Amener les gens au baptême du Saint-Esprit. Connaître Christ. Et cela n'est possible que par le message de Frère Branham. Amen. Donc, celui qui est par une femme, comme je le disais, est un pécheur dès le départ. Il est condamné à la mort. Mais Dieu, quand il avait créé l'homme, il était à son image. Ce n'était pas pour que l'homme meure. Alors, quand l'homme a péché, Dieu était en train de voir qu'est-ce qu'il devrait faire pour ramener l'homme à sa position initiale. Et Dieu étant parfait en foi, lui qui était Elohim, il s'est fait Logos. Parce que Elohim, comme nous le savons, c'est celui qui existe par lui-même. Il n'a ni commencement ni fin. C'était le grand esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Mais pour arriver à récupérer l'homme, Dieu quitta sa forme idéale d'Elohim. Il est devenu le Logos, la parole. Et du Logos, il s'est fait chair. Il est devenu un homme. Et il est venu, il a donné sa vie à la croix de Golgotha. Mais avant qu'il ne donne sa vie, il a vécu sur la terre. Il a été tenté comme vous et moi. Il est passé par des épreuves. Il a eu des maux de tête. Il a eu faim. Il est passé par tout ce par quoi nous nous passons. Et il a vaincu. Parce qu'il a vaincu, il nous a donné le modèle de vie que nous devrions suivre. C'est pourquoi nous chantons être comme Jésus. Parce que nous voulons être comme Jésus. Amen. Partout où nous sommes, que ce soit au service, que ce soit à l'école, partout où nous passons, nous voulons être comme Jésus. Parce que c'est Jésus qui a été le modèle parfait de la vie que nous devons mener sur la terre. Alors, après qu'il ait été le spécimen de notre vie, il est monté à la croix pour payer le prix de notre péché. Mais tout en prenant soin de nous dire ce que nous devrions faire.
pour être réellement des vrais chrétiens. Il nous a laissé certaines prescriptions. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Amen. Je vais y aller mollo comme à une école de dimanche parce que je voudrais vraiment que ces choses-là pénètrent. Il a pris soin de nous donner des prescriptions. C'est ce que j'avais lu dans Matthieu chapitre 28. Chapitre 28, verset 19. Je vais encore relire ça. Je ne serai pas long. Je prendrai juste l'essentiel. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc Jésus a laissé certaines prescriptions. Mais il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Commençons par là. Qu'est-ce qu'un disciple? Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Amen. Qu'est-ce qu'un disciple? J'ai consulté le dictionnaire. Et le dictionnaire nous dit, un disciple, c'est quelqu'un qui reçoit un enseignement. Amen. Voilà un disciple. Ce n'est pas celui qui connaît. Le disciple, c'est celui qui s'assoit pour recevoir un enseignement. C'est ce que le dictionnaire dit. Christ a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Mais on nous dit le disciple, c'est celui qui reçoit l'enseignement. Il ne vient pas comme je connais tout. Non. Comme on appelait chez nous au Congo, un je reconnais. Lui connaît tout. Je le connais. Non. Un disciple ne connaît rien. Il s'assoit et il reçoit l'enseignement. Amen. Et le dictionnaire ne s'arrête pas là. Le dictionnaire ajoute, un disciple ne reçoit pas seulement l'enseignement, mais il adhère à ce renseignement, à cet enseignement-là. Vous êtes avec moi? Amen. Voilà un disciple. Il reçoit l'enseignement. On lui dit que les femmes ne doivent pas couper les cheveux. Le disciple reçoit et il adhère. Même si on lui dit que son père, sa mère est décédée, son mari, elle ne coupera pas les cheveux. Parce qu'elle avait reçu l'enseignement et elle a adhéré. C'est pas si c'est clair. Amen. Si on ne te coupe pas les cheveux, madame, on dira que c'est toi qui as bouffé ton mari, tu es sorcière, tu es ceci. Le disciple dira, j'accepte. Comme étreinte de tous les noms. Mais l'enseignement que j'ai reçu, j'ai adhéré là-dedans, personne ne touchera même au bout de mes cheveux. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Or, les enseignements que Christ nous a apportés, c'est la sainteté. Tout se résume par la sainteté. Soyez saints comme votre Père est saint. Amen. 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 Tout ce que Elohim était, il a déversé en Jésus-Christ. Et tout ce que Jésus était, il a déversé en nous, l'Église. C'est pour que nous soyons saints, nous, l'Église. Alors, pour que l'Église reçoive cela, Jésus a dit, observez les prescriptions. Et pour respecter les prescriptions, les disciples sont restés à Jérusalem. Comme Jésus leur avait dit. Restez jusqu'à ce qu'il vienne le Saint-Esprit qui va vous conduire dans toute la vérité. Ceux qui n'étaient pas disciples, qui n'avaient pas reçu et adhéré à ces enseignements-là, ils ont couru pour baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils ont créé leur dénomination. Mais les disciples, eux, ils étaient restés dans la chambre haute jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu soit venu sur eux. Amen. Amen. Et quand cet Esprit Saint est venu sur eux,
nous avons vu dans Acte 2, Pierre sortit. Nous sommes déjà dans Acte 2. Ce n'était pas avant. Mais ils ont attendu. Écoutez. Verset 29. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement. C'est ce que je demande aussi au pasteur Peignel ce matin. Qu'il me soit permis de dire librement ce que j'ai sur le cœur. Amen. Pour respecter les prescriptions, Pierre, après avoir reçu l'Esprit de Dieu, il est sorti et il a dit qu'il me soit permis de parler librement. Je crois que le pasteur m'accorde aussi cette liberté, pasteur, de parler librement. Sans contrainte. Il dit qu'il me soit permis de parler librement. Au sujet de notre père patriarche David, sa tombe est encore là. Mais Jésus, que vous avez crucifié, c'est qu'en parlant, nous remarquons qu'il faut d'abord avoir un message pour donner aux nations, afin de faire de cette nation des disciples. Mais aujourd'hui, les gens courent sans un message. Mmh. Mais nous, nous avons un message. Parce que Malachie 4 est arrivé. La lumière du soir apparaît. Donc, à la base, il faut avoir un message fraîchement venu du ciel. Mmh. C'est ce que Acte nous dit. Quand le Saint-Esprit est descendu, Pierre est sorti, il a dit qu'il me soit permis de vous parler librement. Ce Jésus-là que vous venez de crucifier, Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. Donc Pierre avait un message. Un message de l'heure. Un message qui venait fraîchement du ciel. Que ce Jésus que vous venez de crucifier, Dieu a fait de lui Seigneur. Voilà le message que Pierre avait. Donc avant tout, il faut avoir un message. Et aujourd'hui, nous aussi, nous avons un message. Amen. Un message approprié à l'Odyssée. Un message venant fraîchement du ciel. En ce temps de la fin, Dieu nous a envoyé un message venant du ciel par le prophète de l'heure. Un message qui jette la mondanité en dehors de l'église. Amen. Amen. Un message qui jette le péché dehors. Oh, mais toi, quand tu viens, c'est toujours les mêmes histoires. Mais c'est toujours les mêmes histoires. Le frère Branham dit, on ne va pas chercher les nouvelles histoires. Nous disons seulement ce que Branham avait déjà dit. Un message qui jette les pantalons des femmes dehors. Un message qui nous rend saints. Un message qui fait que nos sœurs soient vraiment des vraies sœurs. Parce que la femme est l'image de l'église. Si je veux connaître le niveau spirituel de l'Église Tabernacle, je regarde à mes sœurs. Que vous soyez vraiment des modèles. C'est alors que je verrai le niveau spirituel de l'église. Le niveau spirituel de l'église ne dépend pas des mystères que le pasteur prêche. Ou de la puissance qu'il a pour ressusciter les morts. Ou guérir les malades. Le niveau spirituel, c'est la parole qui est prêchée. Qu'est-ce que cette parole produit dans nos sœurs qui sont l'image de l'église? Il faut un message. Un message de sanctification qui jette les critiques dehors. Amen.
Amen. Un message qui vous fait sortir de l'escroquerie. Amen. Un message qui nous met loin de la calomnie. Amen. Un message qui nous purifie. Amen. Qui jette la pudicité, l'adultère dehors. Amen. Qu'il me soit permis de vous parler librement. Amen. Il faut d'abord un message. Pierre avait un message. Nous aussi nous avons un message. Amen, amen. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans nos églises aujourd'hui? Pourquoi ne prêche pas la sanctification dans nos églises aujourd'hui? C'est parce que même les prédicateurs et même sont tombés. Et les pasteurs, les ministres et les diacres, ils ont des femmes dans l'église. Les pasteurs qui tombent avec les sœurs dans les églises. Les diacres qui tombent avec les sœurs dans les églises. Mais qui prêchera la sanctification alors que nous avons un message? Mais on se cache dans le mystère. Quand l'ange puissant est descendu. L'ange puissant est descendu pour nous. Oui. Pas pour vous. Non. Vous qui vivez dans le mal. Vous qui vivez dans le péché. Non. L'ange puissant est descendu pour les personnes qui mènent une vie sanctifiée. Amen. Ce n'est pas des gens qui ont tout le temps des portables en train de regarder des choses pornographiques. Non. Nous avons un message. Pour porter toutes ces choses dehors. Un message qui nous demande de ne pas ressembler au monde. Amen. Mais depuis qu'on a eu la citation de frère Branham, arrangez vos cheveux comme vous voulez. C'est comme si on a appelé la mondanité pour venir dans les églises. Amen. Amen. Le prophète a dit, arrangez vos cheveux comme vous voulez. Mais il n'a pas dit arrangez vos mèches comme vous voulez. Amen. 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 À moins que j'aie mal lu la citation. Mais moi j'ai lu arrangez vos cheveux comme vous voulez. Pas arrangez vos mèches. Alléluia. Je ne suis pas contre. Non. Je ne suis pas contre. Le frère Branham a dit, si vous n'avez pas quelque chose, vous pouvez ajouter. Mais restez avec une apparence normale. Et comment? Mais je n'ai jamais vu les Africains avec les cheveux qui tombent jusqu'ici. Les Africains, vous marchez les cheveux jusque là. Je parle avec une sœur. Frère, tu sais, il met les cheveux derrière l'oreille. Comme les blancs. Et ceux qui les blanchent. Elle fait ça. Frère, depuis quand? Ne ressemblez pas au monde. N'imitez pas le monde. Vous êtes l'image de l'église. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Il y a même des gens qui viennent dans nos églises aujourd'hui avec des boucles d'oreilles pourvu qu'on mette une croix. Il y a même des chaînettes aujourd'hui avec la tête de Jésus. Oh frère, ça c'est la tête de Jésus. Je sais qu'il y a une citation. Le frère Branham a dit, si ton mari t'offre une chaînette, il n'y a pas de problème. Moi, je dis amen. C'est la citation de frère Branham. Mais je sais aussi que le frère Branham a dit, amen, amen. Il a découvert d'où viennent ces choses. Oh. Il dit, ça vient de chez les païens. Ce sont les habitudes des païens. Alors moi, racheté, j'ai compris que si ton mari, qui est un païen, va chercher leurs histoires à eux, les païens, et t'amène à toi, parce que ton mari sait que toi aussi tu es une païenne, il te donne vos histoires des païens, mais il n'y a pas de problème. Où est le problème? Amen. Moi je n'y vois aucun problème. Vous êtes des païens, faites les histoires de chez vous. Mais le prophète dit, Dieu ne veut pas que vous soyez des païens. Amen. Homme frère,
qu'il me soit permis Amen. De parler libre. Amen. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive dans le message. Amen. C'est ça. Nous avons baissé les barrières. Et le monde est en train d'entrer dans l'église. Amen. Au vu et au su des pasteurs. Homme frère, qu'il me soit permis de parler du monde. Les escrocs au milieu de nous. C'est vrai. Frère, est-ce qu'on peut te faire confiance? Non. Sur toi, matière d'argent. Est-ce qu'on peut te faire confiance? Amen, amen. Répondez à la question. La médisance. Dès qu'il y a un petit problème, avion à réacteur, téléphone, tu as appris, tu sais, la soeur là qui est toujours devant là, tu vois le frère là qui va à la chair là. Hey, j'ai appris des histoires. Tu as une nouvelle brochure pour raconter la vie des frères et des soeurs. Quand on suit, c'est toujours toi. Tu es devenu FBI dans l'église. Tu veux connaître tout ce qui se passe dans les maisons des gens pour colporter. Dieu nous a appelés, il dit, nous venons à l'église, c'est pour devenir meilleurs. Être des bons citoyens. Pas pour créer des problèmes. Tu apprends le problème, mets-toi à genoux, prie. Et va voir ton frère. Est-ce qu'on peut avancer? Donc, premièrement, il y a la prédication du message de l'heure. Un message qu'il faut prêcher aux gens. Pour leur sortir du monde, les amener à la parole, que leur vie change. Je sais que quand on parle comme je parle là, c'est pas tellement agréable. Les gens disent qu'on saute là, je puisse aider, salut, alléluia, gloire à Dieu. Et quand j'en parle, je me retrouve là dans la salle, alléluia, les gens sautent. Donc, laissons un bel ange puissant. Oui, vraiment. Est-ce que vous observez les prescriptions? Vous devez observer les prescriptions. Amen. Donc nous avons vu, premièrement, il faut un message. Mais écoutez le verset 37. Quand Pierre a apporté son message, verset 37, après avoir entendu ces choses, ils eurent le cœur vivement touché. Arrêtons-nous d'abord là. Je te pose la question. Parce que nous devons être calqués sur le modèle original pour savoir si nous sommes vraiment dans le vrai. C'est pourquoi Paul était rentré vers les pierres pour comparer ce qu'il a reçu avec ce que les autres avaient reçu. Si c'est la même chose. Aujourd'hui, nous voulons calquer nos vies sur le modèle de la première église pour savoir si réellement nous sommes dans le vrai. La Bible dit, après avoir écouté le message de l'heure, ils eurent le cœur vivement touché. Maintenant, je te pose à toi la question. Quand toi, tu as écouté ce message pour la première fois, même maintenant, est-ce que tu as eu le cœur vivement touché? C'est ça le problème. Vous devez observer les prescriptions. Est-ce que tu as eu le cœur vivement touché? Ou est-ce que tu es venu seulement, tu as dit non, écoutez, il y a une nouvelle église qui est née, alors seulement on appelle ça le message, et tu es venu. Ou c'est l'église de tes parents. Quand je suis né, j'ai trouvé les parents dans cette église-là. Tu commences aussi à venir. Mais tu n'as jamais eu le cœur vivement touché. C'est là le départ. C'est là même la conversion. Tu dois avoir le cœur touché. Ou est-ce que tu viens, tu dis non, c'est l'église de ma femme. Tu sais, j'étais tellement malade, ma femme m'a dit allons dans leur église. Ils ont leur pasteur là, Beniel, s'il prie, je serai guéri. Alors, depuis que tu es venu, tu es resté là-bas, mais tu n'as jamais eu le cœur touché. Amen. C'est l'église de ma femme, c'est l'église de mon mari, c'est l'église de mes parents. Amen.
où c'était l'église de mon copain. Tu l'as amené ici et puis baptisé là moi. Donc quand c'est mon badi qui a cru, tu acceptes seulement. Comme si on va te baptiser, comme si on pourra se marier. Parce que nous, on se marie seulement entre nous. Donc tu amènes ta copine ici. Comme moi, je les appelle, baptise-la moi. Donc c'est pour toi qu'on est en train de la baptiser. C'est pas pour le ciel, c'est pour que tu l'épouses. Ou baptise-le moi. Pasteur, il a cru, hein? C'est le frère. Amen. Sans que le cœur ne soit touché. Mes frères, mes soeurs, ceux de la première église, quand ils ont écouté le message de leur prêché par Pierre, ils ont eu le cœur vivement touché. Maintenant, ça c'est une question. Est-ce que toi tu as eu le cœur vivement touché? Oh, nous on a cru depuis le pays, frère. Nous on mettait même les bancs à l'église là quand on était au pays. Mais est-ce qu'au pays là, tu avais le cœur touché? Amen. Remise en question. Amen. Hein? Je ne sais pas si je vais aller baptiser tout le monde aujourd'hui là, malgré l'hiver. Je ne sais pas. Parce que quand le début est mauvais, tu continueras mal. Amen. C'est pourquoi tu ne changes pas. Amen. Tu as toujours les hauts et les bas, les hauts et les bas. Même la Bible elle-même dit, quand Satan a criblé Jésus, à un moment, il a laissé Jésus tranquille. Oui. Amen. Il a donné à Jésus un temps de répit. Donc le diable est fatigué de Jésus. Il dit, je le laisse quand même un peu. Le diable est parti. Oui. Mais toi, tu n'as jamais eu un temps de répit. Oui. Aujourd'hui, ça va, demain, ça ne va pas. Non. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? C'est parce que tu n'as jamais eu le cœur vivement. Tu viens à l'église par formalité. Depuis qu'on t'avait invité par ton ami, tu es venu, tu t'es assis là, depuis le pays, je ne sais pas si c'est le Congo, le Nigeria ou le Cameroun, je ne sais pas où tu as cru, mais depuis le pays, amen, ou même ici, quelqu'un t'a invité, tu es venu, tu t'es mis là-bas, tu as écouté, tu as dit, oui, c'est bon quand même, hein, le pasteur là, il prêche bien. Hein? Comment il s'appelle encore là? Oh, non, c'est le pasteur Daniel. Ah, mais j'apprécie. Hein? Quand il parle, vous sentez vraiment dans les bruits. Ça, c'est bien, ça gêne. Et tu es là. Oui. Mais ton cœur n'a jamais été touché. Amen. Donc tu ne changeras jamais. Amen. Tu seras toujours dans des problèmes. Amen. Mais tu chercheras de créer des problèmes. Amen. Parce que la Bible dit, quand on écoute le message, alléluia, on a le cœur touché. Amen. On sent que non. Ce n'est pas possible. Mais je suis perdu. Qu'est-ce que je dois faire? Amen. Écoutez la suite. Je vais aller rapidement. Je l'ai dit, je ne vais pas traîner. J'ai juste un petit message. La deuxième chose. Ils ont dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ça, c'est un. C'est une question qui est restée là-bas. Le pasteur Peignel va continuer. Pour savoir si vous avez déjà eu le cœur touché. Mais écoutez la suite. Quand on a le cœur touché, on ne reste pas insensible. Amen. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Quand toi tu as écouté ce message pour la première fois, ou même quand tu l'écoutes maintenant, est-ce que tu as déjà posé la question de savoir maintenant qu'est-ce que je dois faire? Amen. Parce que quelqu'un qui a le cœur vivement touché, il ne sait pas que faire. Il pose la question à celui qui a prêché la parole. Il dit, maintenant je vais faire quoi? J'ai écouté le message que la mondanité doit sortir de l'église. Le péché doit sortir de l'église. Je dois me conformer à la parole. Non, je suis touché. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que toi tu avais posé cette question? Deuxième chose. J'ai posé la première question, est-ce que toi tu avais le cœur vivement touché? Amen. Tu ne m'as pas encore répondu. Amen. J'ajoute la deuxième question. Est-ce que tu avais posé la question de savoir, homme frère, qu'est-ce que je dois maintenant faire? Amen. C'est ça la question de quelqu'un qui veut le salut. Amen. Je suis touché.
maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Amen. 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 Verset 38. Pierre prenant la parole leur dit, vous devez observer les prescriptions pour avoir la vie de Dieu. Mais quelles sont les prescriptions? Pierre leur dit, 1. Répandez-vous. Amen. Voilà les prescriptions. Nous devons nous apprendre tout ce que Jésus nous a prescrit. Amen. Répandez-vous. Est-ce que toi, tu t'es déjà répandu? Merci Seigneur. Parce que la repentance, ce n'est pas que non, tu vis dans le péché. Toi, tu rencontres la parole. Au lieu de te repentir, de laisser la mauvaise vie, non, tu dis non. Moi, j'ai rencontré la parole, je commence à prier. Toi aussi, viens prier avec moi dans la même église, comme ça, on va se marier. Non. Oui. La repentance, on arrête de tout. Oui. On veut d'abord découvrir qu'est-ce qui se passe. Amen. On allait à gauche, on te dit qu'il y a des brigands là-bas, tu t'arrêtes, tu vas à droite, tu rebrousses ce chemin. C'est ça la repentance. Amen. 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 Pleurer pour son mal, regretter ses fautes. Amen. Mais toi, les mêmes fautes que tu commettais, tu continues à les commettre. Même pire qu'avant. Alors que quand on regrette, on n'y revient plus. Voilà pourquoi ta vie ne change pas. Est-ce que toi, tu t'es déjà repenti? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu t'es repenti? Ou tu crois que tu es un frère? Parce que tu es le fils d'un pasteur, tu es le fils d'un prédicateur, d'un diacre. Et tu crois que c'est ça le ciel. Le ciel, tu dois avoir le cœur touché. Amen. Tu dois demander ce que tu dois faire. Et nous, on va te dire de te repentir. Et te repentir, c'est te repentir de tout ce qui n'est pas conforme à la parole. Amen. Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu t'es repenti? Amen. De cet esprit de rébellion? Amen. De ce désir du monde qui te lie? Amen. Mes frères et sœurs, nous devons observer les prescriptions. Suivre le modèle de l'Église originelle, c'est ça la voie obligée. Amen. La condition sine qua non pour arriver au baptême du Saint-Esprit. Amen. Sinon, vous n'y arriverez pas. Vous devrez suivre les étapes de l'original. Parce que c'est ça le chemin que Dieu a tracé. Il n'y a pas de cycle court. Amen. Dans le message. Amen. Vous devrez suivre le chemin que Dieu a tracé. Et quand vous vous repentez réellement, Pierre a dit que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, le baptême ne peut suivre que la repentance. Amen. Amen. Mais toi, comment tu as été baptisé alors que tu n'étais jamais repenti? Oh non, moi, c'est papa qui m'avait dit, non, tu as déjà 8 ans, tu peux avoir le baptême. Va prendre le baptême. Tu peux à 8 ans déjà, le frère Bonham dit même si tu peux. Et tu as pris le baptême, tu as 20 ans aujourd'hui. Oui. Mais tu n'étais jamais repenti. C'est papa qui t'avait poussé à prendre le baptême. Tu es en dehors du plan de Dieu. En dehors. Tu dois revenir sur tes pas. Amen. Tu dois te repentir. Amen. Et puis la Bible dit que le baptême, c'est une demande que l'on fait avec une bonne conscience. C'est-à-dire, tu as même le temps de prendre un papier, tu t'assois, tu écris même certaines choses. Je vais avoir ça. C'est-à-dire, quand tu es maintenant là, la conscience est tranquille.
Amen. C'est ça. C'est alors que tu viens demander le matin. C'est ça. Frère, toi tu avais demandé le matin. Mais c'est ton ami qui t'avait dit, tu as écouté la parole, non? C'est bon, non? Il dit, bien, toi, vous prêchez, d'ailleurs, va prendre le baptême. Va prendre le baptême, frère. Et tu es allé, on t'a jeté dans l'eau. Canard sec entre dans l'eau, canard mouillé, il sort de l'eau. Mais rien ne s'est passé, hein, sœur? Tu le sais, rien ne s'est passé. Amen. Parce que ce n'était pas une demande faite avec une bonne conscience. Oui, c'est vrai. Tu n'as pas respecté les états. Amen. Ton cœur n'était pas touché. Mm. Tu n'as pas demandé ce que tu dois faire. Mm. Tu ne t'es pas repenti. Mais tu te retrouves dans l'église. On s'appelle frère et sœur. Oui. Frère et sœur, c'est ici dans l'église. Mm. Amen. Mais notre objectif, c'est que tu sois dans le corps. Amen. Pas dans l'église ici. Parce que dans l'église ici, nous avons les trois sortes de croyants. Amen. Ce n'est pas nous tous qui irons au ciel. Non, non, non. Si vous pensez que liste Malachie, Malachie 4 et liste Tabernacle, vous irez au ciel, vous vous trompez. Ce n'est pas Malachie 4 et liste qui ira au ciel. Mais c'est parmi vous qu'il y a des gens qui iront au ciel. Et ces gens-là, ce sont ceux-là qui observent les prescriptions. Qui vivent de la parole. Tel que le prophète nous l'a enseigné. Amen. 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 J'avais dit aujourd'hui, on ne sort pas. Amen. Aujourd'hui, nous pénétrons dans nos vies. Amen. 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 Mais comment les églises du message sont devenues comme les églises du monde? Vous entrez dans une église? Ma femme sait, je suis même entré dans une église, j'ai même posé la question, est-ce que ça c'est une église du message? On m'a dit oui frère. J'ai dit à moi, ok, c'est que je peux lire le prophète. Mais vous vous demandez est-ce que c'est l'église du message ou c'est un groupe de prière? Ou bien est-ce que c'est un ministère? Tu n'es pas au pouvoir du Toi Moï dans l'église. Non, nous devons être différents. C'est vrai. Amen. Je vois que si Dieu nous garde, c'est sur cela que je parlerai le mercredi. Amen. Amen. Nous ne sommes pas n'importe qui. Amen. Amen. Nous sommes différents, mes frères. Amen. Je vous dirai les citations que vous voulez le mercredi. Amen. Amen. Vous ne devez pas vous comporter comme tout le monde. Amen. Nous, nous sommes un sacerdoce royal. Amen. Ne pensez pas que parce qu'ils ont des Bibles comme nous, que nous sommes la même chose. Amen. Nous, nous avons un message. Amen. Nous devons être différents. Amen. Mais nous tombons dans la popularité. Amen. Nous voulons être comme les autres églises. Nous voulons être considérés comme les autres. Non. Nous, c'est le petit. Amen. Même si vous êtes des milliers de milliers, c'est toujours le petit troupeau si vous obéissez à la parole. Amen. Amen. Vous devez observer les prescriptions. Comme votre cœur n'avait jamais été touché, c'est pourquoi vous êtes ce que vous êtes. Mais écoutez ce que le frère Branham me dit. Dans la prédication La demeure future. De 2864, paragraphe 87, il dit ceci. Maintenant, le premier pas, c'est la repentance envers Dieu. Amen. Amen. C'est la repentance, frère. Amen. Ma soeur, c'est la repentance. Sans la repentance, vous n'irez nulle part. Vous êtes là, on vous prêche la parole de Dieu. Vous perdez même la virginité dans la maison de vos parents. Amen. Mais vous devez vous repentir auprès de vos parents. On vous enseigne les voies de Dieu. Vous avez fumé votre première cigarette. Vous avez bu un verre d'alcool accompagné de vos amis. Vous devez vous repentir. La première chose, c'est la repentance. Ensuite, le frère Bonhomme dit, viens le baptême d'eau. Il dit le baptême d'eau. Il dit, repentez-vous. Et soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Il dit, vous voyez, c'est le baptême d'eau qui suit pour montrer que la repentance était authentique. Amen. 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 Ça, c'est Branham. Et quand Branham parle, nous nous taisons. Et comment? On dit seulement Amen. Amen. Il n'y a personne qui est là pour nous confirmer ce message. Dieu l'a déjà confirmé. Amen. Nous ne faisons que répéter le message. Amen. Le baptême donc, le frère Branham dit, c'est pour confirmer que la repentance a été authentique. Mais toi, tu ne t'étais jamais repenti. Comment tu t'es retrouvé dans les eaux du baptême? Comment? Comment? Heureusement que le prophète dit, quand vous constatez qu'il y a des écueils, vous avez fait des choses pas selon la parole. Il dit, revenez dans les eaux du baptême. Amen. Confessez, repentez-vous, revenez dans les eaux du baptême. Amen, amen. Et le frère Branham dit, quand vous vous repentez, vous vous faites baptiser, c'est pour le pardon de vos péchés. Dieu vous pardonne vos péchés. Amen. Maintenant que les péchés sont pardonnés, qu'est-ce qui vous reste? C'est le nom du Saint-Esprit. C'est vers là que nous courons. Le Saint-Esprit, c'est la part suffisante. Sans le Saint-Esprit, vous n'êtes rien. Voilà le programme divin, comme le frère Branham appelle ça. Il dit, c'est le programme divin des dieux. Il dit ceci dans la prédication, l'unité d'un seul Dieu, du 28 janvier 58, paragraphe 57. Il dit ceci. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Un évangéliste passe. Il prêche la repentance et vous nettoyez de vos péchés. Et alors, quand vous vous êtes nettoyé, le diable s'éloigne de vous. Vous rapportez les choses que vous avez volées. Oui, amen. Oui. Oh, pardonnez-moi, frère, mais le pasteur est en train de chercher le stylo qui était sous la table et il ne voit pas ça. Toi, tu viens, pasteur, pardonne-moi, c'est moi qui avais pris le stylo. Non, 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 non. Prends le stylo que tu as laissé dans ton cadre, dans ton sac là. Va remettre. C'est ça. Va remettre. Amen. Ça devient dur, hein? Amen. Là, on n'entend plus les amens. Hein? Amen. 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 Donc, vous pensez que le message, c'est seulement là, je vous ai des amens. Oui. Amen. 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 Quand on en arrive là, on dit non, frère. Prêche-vous le mystère, le message, frère, ça c'est encore quoi? Je ne lis pas Branham. Je ne lis pas Branham. Amen. 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 C'est parce que vous avez des problèmes. Amen. Il dit, rapportez ce que vous avez volé. Amen. Allez confesser vos torts à votre femme et à votre ou à votre mari. Pêcher, c'est bien. Oui, c'est vrai. Bon, j'ai déjà fait 10 ans dans le message, frère. Oui, tu as déjà fait 10 ans, 20 ans, oui. Mais aujourd'hui, Dieu dit que tu dois aller confesser chez ton mari. Oui. Tu dois aller confesser chez ta femme. Amen. C'est la parole. Amen. 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 Alors, c'est là maintenant où vous êtes nettoyé. Amen. Il dit, alors, ce qui se passe, hein? C'est que vous êtes simplement nettoyé. Et il dit, quand vous êtes nettoyé, alors vous devenez une très bonne cible pour le diable. Amen. Amen. Vous étiez dans son camp, oui. Il ne s'occupait pas de vous. Même quand vous sautiez à l'église là. Hein, parce que comme quand j'ai prêché la dernière fois là. L'avenir c'est aujourd'hui, alléluia. Vous voyez quand là j'ai descendu, wow, crier. Amen. Et le diable était là en train de rire. Oui, c'est vrai. Il dit, voilà ce monsieur-là, il saute, il rit les histoires qui ne le concernent pas. Ça, c'est pour les enfants de l'église. Ils sont comme ça. Il n'a jamais été touché par la parole. Il n'a jamais posé la question de ce qu'il devrait faire. Il ne s'est jamais répandu. Mais comment il saute comme ça? Le prophète dit, mais quand vous respectez les prescriptions, vous observez les prescriptions, vous êtes nettoyé. Maintenant, le diable dit,
fais, je risque de le perdre. Mais là, tous les canaux du diable sont vers vous. Amen. Parce qu'il tient à vous récupérer. Amen. 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 Il voit que vous êtes en train de le fuir. 58. Mais après que les gens avaient cru et avaient été baptisés, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Il dit, c'est ça le programme divin de Dieu. Amen. Il dit, mais tant que vous n'êtes pas rempli, ça ne sert à rien. Donc ne vous arrêtez pas au baptême. Dans l'eau, vous devez rechercher le baptême du Saint-Esprit. Sinon, vous restez le cible du diable. Il faut combler là où le mal est sorti, le péché est sorti. Que le Saint-Esprit soit là. Amen. Amen. Voilà l'objectif de tout serviteur de Dieu. C'est d'amener les gens au baptême du Saint-Esprit. Tant que vous n'avez pas le Saint-Esprit, frère, tout le travail que nous faisons ici est inutile. Ça ne vous amènera nulle part. Amen. Même si nous ressuscitons les morts, nous prêchons avec la puissance des miracles super, le problème n'est pas là. Est-ce que vous observez les prescriptions? C'est pourquoi ce matin, moi je vous dis ce dimanche, vous devez observer les prescriptions. Jésus a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et le programme divin de frère Branham dit, c'est d'arriver au baptême du Saint-Esprit. Et le chemin pour y arriver, avoir le cœur vivement touché. Là, chez nous, on appelle ça, c'est un clé voix. Personne ne peut échapper. Amen. Tu ne peux pas tromper ta conscience. Non, non. Tu sais que tu étais venu à l'église comme à un pique-nique. Amen. Comme dans un mouvement des scouts. Non, l'église n'est pas un mouvement des scouts. Non. Dans l'église, on a un message. Amen. Et avec le message, vous devez avoir le cœur touché. Amen. C'est alors qu'on a le Saint-Esprit. Mais pourquoi vous n'avez pas le Saint-Esprit? Pourquoi votre vie ne change pas? C'est parce que vous n'observez pas les prescriptions. Et le verset 39 dit ceci. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, donc même à Liège. Un aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et ce jour-là, 3000 personnes observèrent la prescription. Ils ont eu le cœur touché. Quand ils ont écouté le message de leur temps, qu'ils ont crucifié Jésus, c'est lui qui était venu pour le salut. Mais vous l'avez crucifié. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Il a fait de lui Seigneur. Il dit, nous avons tué, qu'est-ce que nous devons faire? Ils ont eu le cœur touché. Et ils ont observé les prescriptions. 3000 personnes avaient cru. Voilà les remèdes pour votre vie. Amen. Amen. Et le modèle que nous avons ne peut venir que de Jérusalem. Amen. Pas d'ailleurs. Non. Parce que c'est là qu'il y avait la première église. On va bientôt terminer. Écoutez ce qu'a dit le frère Branham. Il dit ceci. Les cinq identifications précises de la vraie Église du Dieu vivant du 11 mars 1960, paragraphe 87. Il dit, que doit enseigner cette Église? Vous croyez que vous êtes l'Église du Dieu vivant? Amen. Alors le frère Branham dit, que doit enseigner cette Église? Quel est son message? C'est la descente de l'ange puissant. Hein? C'est les mystères de ceux qui sont brisés. Écoutez ce que dit l'arbitre. Alléluia. Il dit, que doit enseigner cette église? Quel est son message? Il dit, le premier message que je crois, que cette église, le corps mystique, enseignera,
sera la repentance. Amen. Voilà le message que cette église doit prêcher. Amen. La repentance. Les autres choses suivent. Mais d'abord, amen. Le amen. Message du corps de Christ. Amen. Nous devons prêcher la repentance. Il dit ceci. Et il dit, 86, que la repentance et la rémission des péchés devraient être prêchées à toutes les nations en guise de témoignage, à commencer par Jérusalem. Amen. Amen. Maintenant, l'organisation a commencé à Rome. L'église organisée a commencé à Rome et est venue en Allemagne par Martin Luther, a avancé jusqu'en Angleterre par Wesley, jusqu'aux États-Unis par John Smith, en Californie par la Pentecôte. Mais par contre, l'église a commencé à Jérusalem. La repentance devant Dieu et le baptême au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés ont commencé à Jérusalem. Donc, mes amis, voici la manière dont nous entrons dans l'église. Par la repentance. En étant baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de nos péchés, avec la promesse que nous recevrons le baptême du Saint-Esprit. Amen. 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 C'est pourquoi je vous ai ramené ce matin à Jérusalem. Amen. Quand Pierre est resté attendant le Saint-Esprit. Et quand il est sorti, l'église a commencé par un message. Mais comment vous allez vous repentir s'il n'y a pas un message? Il faut d'abord qu'il y ait un message. Et nous avons eu un message approprié à Laodicée. Laodicée qui est aveugle et nue. Laodicée ne le sait pas. Vous voyez toutes ces femmes de Laodicée qui coupent les sourcils et mettent les crayons comme les chats. Et sont dans les rues avec les hauts talons. Amen. Alors que le prophète est contre ces choses. Mais vous, vous êtes là avec les hauts talons, tel et dandiné. Mais voilà un message. Amen. Qui vous dit que j'étais ces choses-là. Amen. C'est alors que votre cœur sera vivement touché. Parce que vous avez écouté un évangile différent de ce qu'on prêche ailleurs, où on vous dit que tout le monde ira au ciel. Croyez seulement Dieu pour tout le monde. Non, Dieu n'est pas pour tout le monde. Dieu a ses enfants. Amen. 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 Vous voulez le ciel, mes bien-aimés? Amen. Le prophète dit, prenez la prescription et observez-la. Amen. Si un médecin vous fait une prescription, vous devez observer cela à la lettre. Amen. Sinon, vous allez mourir. À quoi ça sert de dire, écoutez, bien-aimé, mon médecin là, c'est un spécialiste. Je crois en lui. Il m'a examiné, il m'a fait des prescriptions. Et tu prends l'ordonnance, tu vas laisser ça sur la table. Même si tu fais des éloges à ton médecin. Tant que tu n'as pas respecté la prescription pour acheter ces produits-là et les avaler, tu mourras. Tu dois respecter la prescription. Et quand bien même tu vas acheter les produits, si tu ne respectes pas les doses, soit tu es en deçà, tu demeureras malade, soit tu es au-delà, ça te tue. Tu dois respecter les prescriptions. Écoutez ce que dit le prophète. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie du 19 février 65, paragraphe 97 et 98. Je crois que c'est la dernière citation que je vais lire. Il dit ceci. C'est comme une ordonnance d'un médecin contre une maladie. Il te fera une ordonnance contre une maladie, le médecin le fera. Et vous amenez cela chez un pharmacien charlatan.
ce pharmacien, il met trop d'antidotes, cela devient si faible que cela ne vous fera aucun bien. Parce que vous n'avez pas observé la prescription. Il a mis trop d'antidotes. Ou s'il y met trop de poison, cela vous tuera. C'est le prophète qui l'a dit. Amen. Il dit, ça doit être écrit précisément selon le médecin. Amen. Amen. C'est très sérieux. Amen. Très sérieux. Amen. Les églises n'avancent pas parce qu'on néglige ces choses. Oui. On pense que ce sont des petites choses. Or, ce sont des choses même capitales. Amen. C'est même la base du christianisme. Amen. Il dit ceci. Et l'ordonnance du médecin sur la façon de recevoir le Saint-Esprit nous a été donné par le docteur Simon Pierre. Amen, amen. Le jour de la Pentecôte. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Amen. Amen. L'ordonnance pour recevoir le Saint-Esprit nous a été prescrite par le docteur Simon Pierre le jour de la Pentecôte. Amen. Et le frère Branham dit, je vais vous donner l'ordonnance. Vous voulez l'ordonnance pour votre salut? Amen. Amen. Pour arriver au baptême du Saint-Esprit. Amen. Frère Branham, nous le voulons. Amen. Il dit, voici l'ordonnance faite par le docteur Simon Pierre. Il dit, un, répandez-vous. Amen. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés. C'est alors que vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car l'ordonnance est pour ceux qui sont au loin. Oh frère, nous sommes à Liège. Mais je suis venu jusqu'à Liège avec l'ordonnance de Simon Pierre. Pour que tu ne dises pas, amen. Moi je ne savais pas, je pensais que comme je viens seulement à l'église, j'ai dit amen, c'est bon. Non. Amen. Aujourd'hui tu le sais. Amen. 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 Tu dois observer les prescriptions. L'ordonnance est pour ceux qui sont au loin et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu en appellera. Il dit, c'est une ordonnance éternelle. Amen. Amen. Vous avez compris? Amen. Il dit, c'est une ordonnance éternelle. C'est que personne ne peut changer ça. Amen. Amen. Personne. Amen. C'est une ordonnance éternelle. Vous devez respecter ce qui est dans l'ordonnance. Ah, écoutez le message. Avoir le cœur vivement touché. Amen. Et dire, que dois-je faire, mon frère? Alors, on doit te dire que tu dois te repentir. Et on va t'amener dans les eaux du baptême. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous devons observer les prescriptions. Parce que nous sommes les disciples. Amen. Amen. Et dans la prédication absolue du 30 décembre 62, paragraphe 103, frère Branham dit, Pierre leur a donné une prescription éternelle le jour de la Pentecôte. Il leur a dit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car cette prescription est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est juste. C'est une prescription éternelle. Amen. Mes frères et sœurs, c'était ça mon petit message de ce matin. Amen. Vous devez observer les prescriptions. Nous avons mal commencé. Oui. Pourquoi mal commencé? Oui.
toutes nos églises devraient être en feu. Différent des églises du monde. Amen. Tout le monde devrait être baptisé du Saint-Esprit. Amen. L'église devrait être un oasis de paix. Mm. Quand vous venez dans l'église, le prophète dit en entrant seulement à la porte, Amen. Vous n'avez même pas besoin qu'on prie pour vous. Amen. L'atmosphère d'amour qui doit venir au milieu de vous. Les gens jetteraient les béquilles à la porte. Amen. Vous invitez quelqu'un, il arrive seulement, il voit comment les choses se passent. Comment l'adoration se fait. Il regarde les sœurs, il regarde les frères. Il sent un bonheur dans son cœur. Il dit que j'ai trouvé. C'est ici que je dois communier. Parce que nous dégageons la paix. Nous dégageons la paix. C'est cela qui devrait être dans nos églises. Mais aujourd'hui, les gens se demandent s'ils doivent encore venir dans les églises. Parce que dans les églises, on trouve des critiques. Dans les églises, on se calomnie. Dans les églises, on parle en mal les uns des autres. On parle même en mal du pasteur. Donc il y a des choses qui ne marchent pas. C'est parce que nous n'avons pas observé les prescriptions. Alors que nous avons un message. Un vrai message de commun. Ce message que nous avons reçu. Vous l'écouterez nulle part ailleurs. Non. Si ce n'est dans les églises du message. Amen. Mais vivons le message. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Le frère Branham a dit, nous avons tout le conseil de Dieu. Nous avons des brochures, nous avons des MP3. Écoutons le message, mangeons le message, vivons par le message. Amen. Mettons le bien avant. Amen. 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 Mais nous avons compris. Tout ce que nous avons comme difficulté, tout ce que nous avons comme problème, c'est parce que nous ne respectons pas, nous n'observons pas les prescriptions. Beaucoup n'avaient jamais eu le cœur de manger. Tu as écouté la parole. Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Ma chair est touchée. Qui veut venir à la chair aujourd'hui prier, dire à Dieu, Seigneur, je veux que les choses changent. J'ai écouté la parole. Le prophète dit, on a enlevé l'appel à l'autel. Les gens viennent dans les églises, ils crient, ils dansent, ils rentrent, tels qu'ils étaient venus. Alors qu'ils ont des fardeaux, ils ont des problèmes. Mais ils n'arrivent pas à venir à l'autel pour confesser leurs péchés. Ils ont des pensées qui leur tournent dans la tête. On pense à toi dans la prière. Viens ici. Nous allons prier pour toi. Tu as honte de Jésus? Que j'ai 20 ans dans le message, si je vais devant, on va dire, même lui qui a toujours crié Amen ici, il a des problèmes. Mais chacun a ses problèmes. Amen. Chacun a ses combats. Jusqu'à quand veux-tu demeurer dans cette situation? Alors que nous avons baume en Galate, Dieu nous a envoyé le produit pharmaceutique. Pourquoi la fille de mon peuple demeure-t-elle toujours malade? C'est parce qu'il y a des choses que nous n'avons pas respectées. Est-ce que ce matin, tu as eu le cœur vivant touché? Quand tu as écouté cette parole, est-ce que tu as eu le cœur vivement touché? Depuis que tu as cru ce message, quand ton père est mort, quand ta mère est morte, quand ton ami est mort, quand ton frère est mort, tu avais pleuré. Alors qu'il n'a rien fait pour ton salut. Mais tu n'as jamais pleuré pour ta vie. Jamais de la vie. Il y a des gens qui n'ont jamais pleuré pour leur vie. Il y a des gens qui n'ont jamais demandé à Dieu de faire quelque chose pour eux. Mais ils sont contents toujours de venir à l'église.
prié pour nous. Mais je te lance un dernier appel. Est-ce qu'aujourd'hui tu n'as pas eu ton cœur vivant pour t'incliner devant le trône de grâce des dieux pour demander miséricorde et prendre la bonne décision de te faire même rebaptiser si tu trouves qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie? Dieu t'a appelé pour la victoire, pas pour les échecs. Il ouvre grandement ses mains aujourd'hui, ses bras. Il veut te recevoir. Que Dieu bénisse tous ces bien-aimés qui sont venus devant. N'ayez pas honte de l'évangile. Un jour, ça sera trop tard. Et Jésus aura aussi honte de toi. Je parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Peut-être qu'aujourd'hui c'est ton jour, mon frère, ma soeur. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver après cette réunion. C'est peut-être pour toi que Dieu m'a envoyé ici. C'est peut-être pour toi, ma soeur. C'est peut-être pour toi, mon frère, que je suis venu prêcher ce matin. Parce que Dieu veut te libérer totalement. Et déjouer les pièges du diable qui sont devant toi. On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Ça peut être le dernier serment que tu écoutes. Et tu n'écouteras plus jamais le serment. La mort peut t'attraper, l'accident peut t'attraper. Ou comme Jésus peut revenir. Pourquoi tu continues à durcir ton cœur, mon frère? Ma soeur, il n'y a plus de temps. Laodicée est aveugle et nue. Jésus revient bientôt. C'est pour toi que Jésus va revenir. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Jésus vient pour te chercher, toi. C'est pourquoi il parle à ton cœur. C'est peut-être pour vous que j'étais en train d'insister. Que Dieu vous bénisse. Le salut est un problème individuel. Ce n'est pas un problème de la famille. Ce n'est pas un problème de l'église. C'est ton problème à toi. Oh Jésus, aie pitié de ton peuple. Nous avons toujours écouté la parole. Mais nos cœurs n'ont jamais été touchés directement. On pensait que c'était l'église de papa ou de maman. L'église de ma femme ou de mon mari ou de mon copain. Mais j'ai compris aujourd'hui que c'est pour moi que le message est venu. J'ai le cœur touché. Je viens tel que je suis. Que la grâce des dieux surabonde sur moi. Bientôt ce sera la fin. Nous quitterons la terre. Nous allons nous envoler vers les cieux. À quoi ça sert de gagner le monde entier et de perdre sa vie? Alors que nous avons la prescription du docteur Pierre. Observons les prescriptions. Ouvrez votre cœur pendant que le pasteur va prier pour nous. Croyons à la prière de l'homme de Dieu. C'est lui qui a la charge de nos âmes. Quand il va parler, Dieu va l'exaucer. C'est lui qui doit mener nos fardeaux devant le trône de grâce. Croyez. Et vous verrez ce que je fais.
Je ne veux pas être quelqu'un qui se prend
Je ne vais pas être quelqu'un, Seigneur mon Dieu, qui prétend être meilleur prédicateur que les autres, qui est meilleur pasteur que les autres, ou meilleur chrétien que les autres. Oh, laisse que l'humilité de Dieu puisse être à moi et que je regarde les autres comme étant au-dessus de moi. Commence dans la maison de Dieu. Et la parole déclare que nous sommes tous coupables
péché. Oh oui, Seigneur. Nous devions être là à genoux, en train de pleurer, comme un jour d'autrefois, comme on l'avait fait la Sousa. Street. Tu m'as touché, Seigneur. Je ne suis pas dit. Voilà pourquoi tu m'as vu devant la chair, devant l'autel. Voilà pourquoi tu m'as vu là à genoux au milieu des miens. Le mien que la parole a condamné. Seigneur mon Dieu. Oh Dieu. Écoute la prière de chacun, Seigneur. C'est toi qui appelles. C'est toi qui cherches le premier taré. C'est la puissance pour délivrer chaque personne de l'oppression démoniaque, de l'oppression de la vie du péché, afin que Père, les hauts et les bas cessent, que nous puissions avoir une stabilité spirituelle et que les diables puissent s'éloigner de nous. Purifie-nous, Seigneur. Rien de pur n'entrera dans le royaume de Dieu. Rien de pur n'entrera. Et nous ne nous trompons pas ici. C'est l'église où tu es habitué à nous dire les choses clairement, pour épauler. Pardonne, Seigneur. La puissance de l'Esprit de Dieu enlève ce vieux serpent producteur du péché dans nos vies. Place la colonne. L'Esprit de Dieu. Nous savons que tu ne peux pas jeter le mystère chez le pourceau. Il faut d'abord que la nature du cochon soit transformée. Transforme-moi, Seigneur. Tu as fait beaucoup, mais ce n'est pas encore assez. Oh, je veux une délivrance totale. Je veux marcher pour ne plus pécher. Le prédicateur a prêché, Seigneur. Les paroles de sagesse, de puissance, de condamnation sont sorties de sa bouche. Et toi que tu nous as parlé, tu nous as amené à l'autel, à la repentance. Pourquoi nous avons fait de l'hypocrisie? Alors que nous savons qu'il y a un enfer. Il y a un ciel. Il y aura des boucs et des prédits. Une fois de mourir après quoi vient le jugement. C'est quoi ça, une vie de 55 ans, de 70 ans ou de 80 ou de 90 ans, de vent, de feu qui ne s'éteindront jamais, ou de vent, un bonheur éternel dans la présence de Dieu. Seigneur, 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 s'il arrive que ma soeur pêche, que mon frère pêche, s'il m'arrive de pécher, ce n'est pas par amour pour le péché, c'est que c'est le péché qui habite à moi, qui me fait faire ces choses. Je crie comme l'apôtre Paul. Qui me délivrera? Qui me libérera? Qui brisera cette puissance? Alléluia! À Dieu soit la gloire! L'Esprit de l'homme, s'il vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est le message de William Brada. L'habitation du Dieu vivant. Oh, je n'ai pas honte de déclarer que j'ai besoin de toi. Je n'ai pas honte de venir à l'autel, Seigneur. Il s'agit de mon âme. Il s'agit de cette église, de l'avenir de cette église. J'ai investi beaucoup, Père, dans cette église. Ce n'est pas pour le voir avoir des grandes voitures, des grandes maisons. Tout ça c'est bien. Mais l'investissement, papa Dieu, c'est pour avoir une église remplie de la puissance du Saint-Esprit. De la vie littérale de Jésus. Une église pleine d'amour, soudée. Une église, il n'y a pas de. Oh mon Dieu. Balaye ces bénissances critiques. Prends ces jeunes gens, mets-les en feu. En commençant par leur pasteur, Père, mets-les en feu.
avec Mr. Berman. Jusqu'à quand pourrais-je dire Jésus, vous supporterai-je? Pourquoi blessons-nous le cœur de Dieu? Pourquoi offensons-nous les noms du Seigneur? Pourquoi nous nous rébellons contre Dieu? Pourquoi tu ne peux pas abandonner tes habitudes? Si tu n'as pas la force, va à l'autel, demande cela. Fais la honte à Satan. Dis que tu m'es littéralement. Je vais à l'autel publiquement pour confesser que je perds de la grâce de Dieu. Je ne peux pas me cacher ici. Et Dieu honorera votre foi. Amen. Oh papa, personne n'est caché. Personne ne peut se cacher, nous n'avons pas intérêt à nous cacher. Nous nous déclarons publiquement qu'on a besoin de ton aide. Envoie-nous cela sous le zèle d'une colombe blanche comme la neige. Toi qui as écouté les prières de William Branham quand il priait pour son corps malade, tu l'as envoyé la septième colombe pour lui dire que sa maladie était finie. Est-ce que tu ne peux pas aujourd'hui, Père, nous dire consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Parlez au cœur de mon fils, de ma fille, et dis-le-lui. Que son iniquité est expiée. Que ses péchés sont pardonnés. Que j'ai entendu son cœur. Que j'ai vu son humiliation. Qu'elle a reçu un double de tous ses péchés. Grâce pour grâce. Miséricorde pour miséricorde. Pardon pour pardon. Oh Dieu. Nous rentrons à la maison. Accueil avec un cœur vivement touché. Garde-nous dans l'atmosphère de la méditation sur notre vie. En réfléchissant sur nos voies. Et dans le nom précieux de Jésus. Donne-nous ce que nous t'avons demandé. Nous comptons seulement sur ta grâce. S'il te plaît, Père, fais quelque chose pour nous. Bénis ton serviteur par qui tu nous as parlé, Père. C'est dommage qu'il y ait eu tant d'absents aujourd'hui, Seigneur. Quand j'aurais voulu que tout le monde soit là. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'empêchements. Sois miséricordieux, Père. Pardonne-nous, soutiens-nous. Ils sont là en train de pleurer. Se sentent coupables, Père. Fais la grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Retourne avec chacun de nous. Bénis ton serviteur, son épouse, sa famille. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Seigneur, qui fête son anniversaire le 22 janvier. Et le frère Freddy le 26 janvier, Seigneur. Oh Dieu, que pourrions-nous demander pour eux? Simplement ta grâce et ton sang sur eux, ta miséricorde, ton regard doux et amoureux, la visitation de la colombe de Dieu dans leur vie. Afin qu'il soit les épîtres vivantes. Au nom de Jésus-Christ, te prions de le bénir. Pour moi.
retour.